Si les gens ils veulent la revanche, dites-le en commentaire, comme ça se passera Ah, sur ma chaîne cette voilà. fois-ci. On verra si le moustache il aura Ça plus de fait chance. plaisir. Voilà, bah écoutez les frères, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire, à celle de Fornax également, il y aura tout dans la description. Et le petit commentaire si vous voulez une revanche, ça ferait grave plaisir sur la chaîne de Fornax. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Random Rush, ça faisait longtemps. Et comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seul, je ne suis pas non plus avec Fitzadri, je suis avec Fornax. Comment tu vas mon frérot? Ça va, merci de m'inviter, salut tout le monde. Bah écoute, merci à toi d'être venu, hein, ça fait grave plaisir parce que Fornax, ça fait un moment qu'on se connaît tous les deux, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire de vidéos ensemble. Et du coup, ça me fait grave plaisir de t'avoir aujourd'hui aussi, sur la chaîne. Ils doivent se demander tous, mais qu'est-ce qu'il fout sur la gueule? Clairement, clairement. C'est vrai que Fornax, d'ailleurs, sa chaîne sera en description, ainsi que sa chaîne Twitch où il fait ses lives. Il joue sur la SEA, donc très bon contenu, surtout si vous voulez des reviews de perso. N'hésitez pas à aller voir, il détaille vraiment tout bien, il fait une petite fiche et c'est magnifique. Je vous invite à aller voir, je vous mettrai tout le dans la description. Et vu qu'il est sur la SEA, il a accès à un panel de perso qu'on n'a pas la plupart du temps, parce que maintenant, c'est vrai que... Ouais, maintenant ça sort dans un nombre... maintenant, c'est tout un peu chamboulé, quoi. Voilà. Mais la plupart du temps, sur la SEA, ils ont les persos en avance, donc vous pourrez voir tout ce qui va sortir et ça pourra vous aider dans vos choix au niveau des pools. Donc je vous mets tout ça en description. Et puis voilà, comme vous le savez, Random Rush très simple aujourd'hui. On va venir tirer un chiffre entre 1 et le nombre de persos qu'on a jusqu'au rang B qu'on possède. Et puis on va venir composer une team avec ça. On va s'affronter en duel sacré, donc avec les PV maxés et puis tous les stats maxés. Et puis voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Pour le contexte, hein, je ne suis pas sur un compte à moi sur la globale. Ouais. On nous a prêté gentiment un compte. Du coup, bah, je lui en remercie. Et puis, puis voilà, ouais, on va s'amuser. Merci beaucoup à cette personne qui se reconnaîtra. Ouais, elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. Si tu reconnais tes persos. Enfin, bon bah écoute, vu que c'est toi l'invité, je vais tirer pour toi en premier, on fait comme ça. Ouais, ça marche, vas-y. Allez, let's go. Premier, alors, à savoir qu'il y a un retirage aussi les frérots. Donc on va pouvoir retirer un perso. Allez, c'est parti. Numéro 15, oh là là, c'est sûr c'est un S ça. Oh alors, là 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 là. Numéro 15, ok. 6 12 13, 14. Ok, c'est Yoga Pog. Oh, oh non, mais je suis foutu. Ah, mais je suis foutu. C'est pas mal, c'est pas mal. Dès le premier perso, je suis foutu. Punaise, vas-y, tire-moi mon perso. Bah, il y a mieux, il y a des gros DPS, tu vois, mais au moins... Ouais, mais tu vois, Yoga Pog, même si niveau tactique, il pourra être sympa, je pense. Il pourra faire des petits trucs sympas. Ouais, voilà, même si t'as des B à côté qui t'apprennent, il fera le taf, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça, on va voir. On va voir. Ok, donc, à mon tour, du coup... Pour toi, ce sera le 29. 29, ok. Donc 6, 12, 18, 24. Tu m'as dit 29, c'est ça? Oui, c'est ça. 6, 7, ouais, Ichi. Ouh, Ichi. Pour un petit burst. Ouais, ça dépend de ce que j'ai après. Ça peut le faire, ça peut le faire. On ça va voir. Ça peut être sympathique. Ichi qui peut surprendre avec sa vitesse. Oh mais non, mais c'est pas croyable. Non mais sérieux, mais t'es béni toi, c'est pas possible. Numéro 10. Numéro 10. Mais oui, mais putain, mais oh là là. Ok. Alors. Oh là 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 là, il va m'exploser. 6. Oh, tu démarres fort là pour ta première apparition. Et c'est mon signe astrologique, saga des Gémeaux. Punaise, oh là 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 là, il va faire tellement mal avec ouais. Sa team. Ouais, ouais, bah on va voir, on va voir. Hein. Pour l'instant, c'est pas trop mal, j'avoue, j'ai pas trop à me plaindre. Allez, t'es prêt? Vas-y, let's go. 47. Mais putain, mais t'es pas sérieux. Ah oh, mais bordel, c'est quoi ces tirages là? A savoir que le jeu forcément vous classe les meilleurs persos devant, donc si je lui tire 47 bah oui. En général, c'est pas trop bon pour lui. Putain. Putain, ça va être un hommage, t'as 18, 24, 30, 36, il me fait chercher les persos du fin fond, du 42, tu m'as dit combien?
C'était combien déjà? 47. 43, 44, 45, 46, 47. Seiya. Okay. Classique le B. Le gros débuffer quoi. Ouais, ouais, voilà. Petit B a un debuff de 70% de dégâts ajoutés. Ouais, c'est ça. Ça peut t'aider à tuer mon gros DPS assez rapidement. Hein, si... Ouais, ouais, faut voir. Si j'arrive à avoir des dégâts, clairement. Si j'ai du mal à choper de l'énergie, tu me le tues avant. Hein. Y a moyen, peut-être, je sais pas. On va voir. Alors, enfin un chiffre qui est un peu plus loin, 63. Oh putain. Bon, je pense que tu peux commencer de la fin, hein. Tu peux partir de la fin pour le coup. Ouais, alors moi, on avait compté avant la vidéo, j'en ai 67. C'est ça, t'en as déjà pick 2, donc t'en enlèves 2 en fait. Ton dernier B, il sera 65. 65. Ouais. Ok, tu m'as dit combien? 63. Ouais, donc je recule de 2 quoi. C'est ça exactement. Ok, j'ai le... Je sais plus comment il s'appelle lui déjà. L'armure des morts, tu sais celui qui... Ah, bouffe, mais tu sais qu'il est pas dégueu ce machin en plus, hein. Je sais pas si t'as déjà... J'ai vu ta vidéo avec, avec Fitz là-dessus. Ouais, ouais, ça m'avait fait assez rire, ouais. Tu sais, des fois t'as des petits persos comme ça qui te surprennent, c'est ça qui est drôle. C'est ça. Bon bah... Ok, comme d'accord. Ça va être drôle. Je pourrais protéger mon saga en bouffant tes pièces. Ça te fait un contrôle, finalement. Mais en vrai, je sais même pas comment il joue vraiment. Hein. À part juste je sais qu'il bouffe des trucs. Voilà. Ouais, bah t'inquiète pas, ça suffit. Ça suffit. Ok. Allez, pour toi, ce sera 29. Ah là là, j'aimerais bien que tu lâches un chiffre en dessous de 20. T'sais. Ouais. Ça t'auras droit à un repic, c'est ça, non? Ouais, après ah ouais. 18. Ok. 24, 30, tu m'as dit combien? 29? 29, ouais. Mais je crois que les 29, tu me l'as lâché deux fois. Genre, ah ouais, avant c'était Ichi, maintenant c'est... Alors par contre, je suis pas du content du tout, c'est Cassiope. Ah, vraiment. Bah, j'ai jamais joué avec elle. Ah non, c'est le perso, je crois, le plus nul. J'ai jamais joué avec. Vraiment, même les B sont meilleurs que ça, hein. C'est catastrophe. Ah ouais? Mais non, mais c'est pas possible. Mais t'es béni. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sent le S. Merci. T'as une femme? Merci. Ou pas là? Parce que ça devient compliqué là. J'aurais pas grand chose à repiquer. Hein, t'as un 8, numéro 8, mais ça va être une 8. Catastrophe. Mais oui, 8. Ah ouais. Il va me sortir, il va avoir tous les chevaliers d'or là. 6. Il va me faire Athena Exclamation dès le premier tour là, ça va être fini. Ah. Alors là, par contre, ouais, c'est Aldebaran. D'accord. Bon, ouais, pourquoi pas. Il est. Après. Ouais. Il a pas son réper. C'est pas bon, c'est pas bon non plus que t'aies trop de DPS après, on va dire. Mais ouais, c'est clair, ouais. Au niveau de l'énergie, c'est pas ce qui voilà. Va te poser le plus de problèmes avec Aldebaran, je pense. Hein. Ouais, bah, au pire, je vais tanker. Ouais, on va voir. Très bien. Du coup, à toi. Est-ce que je sors un petit là ou pas? 32. Ah, mais je crois que t'as pas de chance. En fait. Putain, j'ai tout usé contre Fitz. 12, 18. Aïe aïe aïe, 24. 30. Tu m'as dit 32? Oui. Misty. Ah! Pas dégueu, ça... pas dégueu. Il peut avoir son. Ouais, clairement. Franchement, avec les reflects, surtout contre des persos comme moi avec du. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, clairement. Ouais. Ça peut jouer, hein. J'avais oublié, c'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. Ok, alors toi, 40. Oula, ok. Oh bordel, je te jure, t'as eu le tirage le plus chiateux que j'ai jamais vu, genre c'est du jamais vu. T'as eu 3 chevaliers d'or premiers, les 3 premiers 3 chevaliers d'or. 4, 39, 40. Et bah j'ai Tétis. Oh mais putain, mais en plus même quand il pique des B, il pique des bons, enfin des A, il pique des bons A. Tétis, ouais. Oh, alors part, mais sache que j'ai jamais joué avec elle non plus. Hein. Ah mais je te jure, elle est ultra forte, hein, mais pour de vrai. Hein, je sais que Nick, il est super archi fan de Tétis. Ah ouais, non, vraiment, hein, genre tout ce qui est mu, tout ça, elle les bloque pendant 2 tours. Facile, easy, vraiment. Elle est trop forte. Ok. À toi, 39.
39. Tac, 12, 18, 24, 30, 36, tu m'as dit 39. Alors. Je crois que c'est. Alors. Ah, je crois que c'est Icky Firebird, putain. Ah, attends, ouais. Je vais vérifier parce qu'à un près, c'est Yo. À un près, c'est Yo. ça vaut le coup que je recompte, attends. Si tu veux, vas-y. Attends. Pour autant d'années, vas-y. Je suis passe après. Ça me laisse le temps de lire un peu ce que fait Tétis parce que vu que je l'ai jamais joué. Vas-y, vas-y. 24, 30, 36. Ouais, donc 37, 38. Ah, c'est bon, c'est Yo. Attends, ouais, attends. Il était avant ou après? Attends. Ah non, c'est Icky. Pinet, c'est Icky. Bon, Icky Firebird, ok, d'accord. Bah, c'est pas mal quand même, hein. Ouais, ouais, bah, faut qu'il y ait. Ouais. Ouais, je sais pas trop quoi en penser là, mais bon, on verra. Hein. Toi, ça va être le 41. Alors, si t'es encore où t'en es, c'est le truc de juste à côté. C'est à droite. Ouais, mais je suis plus là où j'en suis. D'accord. Que. Non, c'est pas tard, on va repartir, c'est pas grave. Tu m'as dit combien? 41. Ah bah c'est Seiya. Seiya? B là, ouais. Ah ouais. Ok, d'accord, bon. Ok, moi c'est bon, il doit te rester un perso, je suppose. Ouais, exactement. Et c'est le 16. Ah! 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 Alors, qui ça va être? Donc, consciencieusement, je vais bouger ça. 12. Non! Non, dis-moi pas que c'est lui. Non. 13, quoi? 14. Non! Putain, c'est Sean Nebulaire! Ah! Mais putain, j'ai le grand pop juste à gauche qui a son Another Dimension level 5 avec tous les effets maxi. Et tu me piques Sean, putain! J'ai trop ouais, Sean. Je sais pas, parce que je sais pas ce qu'il vaut s'il a pas de doublon et tout ça donc. Bah en fait, ils sont full, en duel sacré. Après, j'ai jamais joué donc ça. Je sais qu'il est fort en full monté. Mais il est fort à part. J'ai jamais joué non plus, mais je sais qu'il est fort. Hein. Attends, j'ai fait un donc, truc de Gogol. À voir, hein! Ouais, à voir, hein. Clairement. Attends, je viens de retirer un perso, merde. Qui j'ai retiré? Non, me dis pas que ah, j'ai retiré Cassio, c'est bon, je me rappelle c'est qui, c'est bon. Cassio P. Ah, ok. Voilà. Ok, bah j'ai ma team, écoute. Toi, il te reste un perso? Non, moi, c'est bon. C'est bon, okay. C'est bon, ouais. Bon, bah écoute, je vais te retirer direct un perso, hein. On va dégager Cassio P. Vas-y, let's go. Ah oui, d'accord, ok. 41. Putain. Et moi, ah, c'est ça le problème. Hein. Je me suis mis au début en espérant que t'aimes lâcher un chiffre qui est pas mal, mais non, 24, 30, 36, 42. Tu m'as dit combien? Je t'ai dit 41. Oh, j'ai jamais joué. Qu'à ça? Ah, bah, moi non plus, tiens. J'ai jamais joué. Bah, écoutez, on va pouvoir découvrir ce qu'il vaut. D'accord, ok. Tu veux un retirage? Why not? Je vais virer le gros bouffeur là. Vas-y, let's go. Mais non! Mais le numéro 13! Mais putain, mais. C'est après, bon. Je t'ai dit avoir trop. Je vais avoir un problème d'énergie ou si. Ouais, ouais, bon. En vrai, je pense que même un problème d'énergie ou pas, ça va être compliqué ici. Bah, ça sera canon. Oh bah oui, c'est la gars canon, bah oui, bah évidemment, attention, attendez, oh là là, ça va être... Ok, d'accord, bon, bah écoute, sauvegarde en bas, oublie pas de sauver ta team, hop. Ouais, voilà, là par contre, j'ai un problème d'énergie, hein, clairement. Ah écoute, on va voir si je vais réussir à faire quelque chose. T'es où alors? C'est... Bah de toute façon, vous allez voir c'est qui que je vais inviter, hop, invitation envoyée. Bon, du coup, on joue sans Cosmo, les gars, pour éviter les prises de tête, hein, parce que tous les réglages de vitesse et tout. C'est casse-couille au bout d'un moment. Pourquoi? Ah, ça va être en mode à la zub. Attends, pourquoi j'ai cette team-là? Préparer.
Ah non, c'est bah après c'est tu es préparé, tu prends ta team. Ouais, tu vois. C'est bon, c'est la team 1. Ouais, c'est... Faut prendre les. Aphrodite, Arès, tout ça là. Ou... Je crois que tu peux pas, je sais pas, moi je l'ai pas pris. Tu peux ? Moi je peux. Hein. Bah attends, bah vas-y, accepte, je vais te réinviter, je savais pas qu'on pouvait. Bah au pire, on l'utilise pas. Au bah pire. Ouais, vas-y, on au s'en pire. Fout. Ok. Là, je te vois avec un Minos là. te... c'est le mec. Allez, let's go. Bah bonne chance, mon frérot. Ah si je... Ouais, bonne chance Ah j'ai de la merde en fait, j'ai la timidité d'Aphrodite mais je l'utiliserai pas du coup. On va y aller Bon En mode voilà quoi. Qui je vais focus? C'est une grande question, une très bonne question. Ok je ne sais pas. Je ne sais point ce que je vais faire. Ouais j'en ai aucune idée. Vas-y on va faire ça. Tac. Allez. Ok. Je sais pas trop comment je vais la jouer celle-ci, mais bon, on va y aller en mode. Par contre, je sais pas du tout comment jouer Chaîne Nébulaire. Je l'ai jamais joué. Ah, mais Kassa aussi, je l'ai jamais joué d'ailleurs. Je vais regarder ces, deux, ces spells vite fait. Ok. Lance PS1. Chasseur de cœur. Ah ouais. Non mais il y en a certains, ils ont des légendaires sur eux, ça va. En entrant sur le champ de bataille, Kassa évalue rapidement l'effet. Quoi? Je crois qu'il peut copier des attaques. Ouais, non apparemment. Ouais, c'est ça. On va garder ça pour après. Même ça, je pense. En vrai, ah ouais, par contre, il faudrait pas que je mette sur lui, il faudrait que je mette sur quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que je fais, c'est bien, mais on va tenter des trucs. Faut tenter, faut tenter. Ouais. Yes, j'ai réussi. Ah, nice. Pas nice pour toi, pas ouais. Pour moi. Iki Firebird, quels sont ses dégâts? Ouais, ça passe. Alors lui, accumule de courant d'air autour d'un ennemi. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est clairement ça qu'il faut faire. Ok. Ah ouais, ça attaque pas en fait. Ah d'accord. Ah oui. Ah oui, oui, d'accord. Putain, il va me faire chier ton le débat en vrai. Il va me casser la tête. Hein. Oh, mais en vrai, il, ça va être trop roule avec ton le débat en putain. Putain, ça va être chaud ça, merde. Merde! Oh merde, c'est pas du tout sur lui que je voulais faire, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais lancer sur mon Pog ou mon Shaya. Ah ouais d'accord, je viens de comprendre je crois comment il fonctionne. Oh, en vrai c'est pas dégueu je crois. Ah mais... Ouais non c'est un délire en fait. Ok d'accord. Ouais, le truc c'est que si je me fais... Bon, je tente un coup mais... Oui. Ah ouais. Ah ouais non mais ça va être trop galère. Aïe 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 la galère que ça va être. Ah mais tu te rends compte que t'as Aldébaran et Yoga Pog. Tu veux que je fasse comment? C'est pas mal, tu vois du coup il le protège un peu. Ouais bah vois, ouais. Tant que ça charge. Mais non mais je vais jamais réussir. Oh mais non mais en fait tu vas m'éclater en fait. Aïe 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 aïe, tu vas m'éclater. Bon ça va. Ah, il est en Vulcan. Est-ce que ça s'accumule les courants d'air sur le même perso? Je pense, oui. Ouais. Oh putain! Wouah! Ah ouais! Ah ouais, ouais! Il m'a ouvert en deux, je suis mort! Wouah! Ah ouais! Le débarrant. Ah, dis-toi ouais, qu'après, ouais. Il va avoir son RC. Mais non, mais. Ah ouais?
Il pourra poser. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore sur la globale, a priori, si je me souviens bien, il fait un truc du genre. Son skill 3 passe à 0. Si tu montes level 5, il peut poser des marques. Et après, bah, ton Greater Horn, bah, il va taper sur tous ceux qui ont la marque. Ah ouais, carrément. Ah oui, d'accord. Maintenant, il est multi-cible en plus. Bah voyons. Alors, on va essayer. Oh, archi stylé. Ah, c'est trop... Putain, dommage. Oh, c'est trop... Ah, vas-y, attends, je vais faire le cassos. Tu sais que je joue jamais contre Kassa en plus, c'est assez drôle, hein. Mais je savais pas, moi, mais c'est trop stylé, en vrai, comme spell, genre, c'est... Vraiment, c'est trop... Ah, c'est pas mal. C'est fun de ouf. 6... Est-ce qu'en fait, je me fais pas chier... Ne fais pas sa forme. Non. Non, putain. Non, mais... Non, attends. Ah ouais, en vrai c'est tous mes dégâts. Quoi? Ah ouais. En plus il est de tête. Oh. Mais en fait toi t'as la team parfaite en fait. AOE, mono cible, contrôle, heal, deflect, vas-y. Ah ouais. C'est qui t'as visé avec le Great Horn? Ah ouais c'est Misty en plus. Ouais, putain. Ah je vais me faire décapiter les gars là. Je vais me faire décapiter par ce bon vieux Fornax. Oh, il tient. Attends, je vais essayer un truc drôle. Ça va marcher, je pense. Ouh. Ah c'est ça, c'est il a tenu. En vrai c'est pas mal comme technique ça. Tu mets Aldébaran et après tu lâches le truc Litchi directement. Ah c'est pas con en vrai, mais bon, j'ai quand même perdu. J'ai voulu tester le Aldébaran, j'aurais pu tuer quelqu'un d'autre mais mais vas-y, je me suis dit que au point où on en était, fallait mieux tenter le tout pour le tout au cas où on lâchait un crit sur un malentendu, ça serait peut-être passé. Là c'est le point de non-retour les gars, il a cette énergie. C'est le point de non-retour. Il va pouvoir faire ce qu'il voudra de moi. Là ça va être fun. Et encore mon saga il est... Je pensais qu'il... Ouais, il est un peu lent quand même. Ouais, bon. Ouais de base c'est vrai qu'il a pas beaucoup hein. Ouais. Mais j'ai vu ce que Kassa faisait et vraiment ça me fait vachement rire. En plus il copie aussi les attributs, genre c'est à dire que si tu te prends un buff, il va le copier. Attends je... Ah mais merde, tu peux pas voir tes stats. Tu peux me dire si ton Aldébaran il a 50... oh. 59482 en HP ou... Le mien? Ouais. Il a 72 806. Ah donc il copie pas les stats. Ok d'accord. Bon c'est non, ouais, c'est cool à savoir. C'est cool à savoir. Ouais. En fait je sais pas trop ce que ça fait mais bon j'ai pas le temps de lire. Enfin je pourrais prendre le temps de lire mais bon ça va faire chier tout le monde. Ouais non mais c'est un délire. C'est un délire, je peux rien faire. Y'a qui vient après. Y'a essayer. Ah j'aurais dû. Ouais c'est pas grave. Oh là 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 là. Bon là j'en suis au point, de toute façon si je charge le Great Horn avec Aldébaran, hein, il va me l'enlever. Vu qu'il a perdu aucun perso. Ouais. Ouais les, pour l'honneur, on va essayer d'en faire tomber un. Je sais pas ce que ça fait ça.
honnêtement. Ça heal quand, quand ton perso il attaque, si tu mets sur un allié à toi. Et quand c'est. Enfin, même quand c'est pour, sur le perso de l'adversaire, mais en gros, ça heal si le perso il attaque et si le perso. Ah putain, j'ai été deflect. Et si le perso il attaque pas, bah. Ça le pétrifie. Donc ça a double utilité, tu vois, tu peux utiliser sur tes alliés comme sur tes ennemis. D'accord. Genre, tu fais ça à un mu, bah il peut plus poser. Oh, ça fait vie. Rien ça, putain, je pensais que ça ferait bien. Ah, t'as fait quand même du 11 000, hein. Attends, ce qu'il met par contre, Pog, c'est en assist. Ah ouais, c'est un délire. Ouais. C'est la violence. Tu, vous jouez plus vous sur la SEA ou vous jouez encore? Ah si si si, ouais, si si. Ah ouais, clairement. Ah, je suis en train de demander les shards là dans la guild pour l'avoir parce que. Beaucoup trop fort ce perso. Ah ouais, du coup là je vais me faire plaisir là. Non, alors on va faire ça. Ouais, je pouvais pas jouer aussi. Attends, hop. Ah, j'aurais plus de. Ah ouais. Ah, ça fait. Ok. Ok, ok. On va débuffer ça. Oh, wouah, 107 000 pas. Wouah. Ouais, ouais, les debuffs. Ah putain. Le debuff. Aïe, 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 aïe. Bon. Bien joué à toi. GG Kowai. GG Kowai pour cette game. Ouais. Oh putain, la chatte quoi. Je me suis fait détruire. Ouais, les bon, gars. J'avoue. La team était un peu en ma faveur. La team était un peu en ma faveur. Bah écoute, moi ça m'a fait bien plaisir ce petit combat, même si j'ai pas eu beaucoup de chance sur le tirage. Ah, j'avoue, j'ai été bien plus chanceux, j'avoue. J'espère que ça t'a plu en tout cas ce petit, ouais. Ce petit combat. Bah, c'était marrant de voir des petits persos que tu joues pas souvent. Ouais, clairement. Vois, hein. Ça et tout, c'est cool quoi. C'est cool. Clairement, ils sont jouables en plus, c'est ça qui est drôle. Il y a un jour, quand j'aurai trop de ressources, je le montrerai. J'en fais le serment. Voilà pour ces petites vidéos. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un vrai kiff de les faire ces petits random rush. Encore un gros merci à Fornax pour sa participation. Et puis, bah, pas toi. Je te laisse le petit mot de la fin. Bah, vive Kowai. Vive Kowai. Vas-y, ok, ça va. Allez, ciao, ciao, les frérots.